C'est un match important, mais c'est pas différent du dernier et des autres matchs. C'est particulier parce qu'on va jouer contre le premier de classement. Une équipe qui a plus 14 points que nous. Comme à Brest, on veut réduire un peu la différence. Comme à Brest et comme à Lens. Nous avons été capables avec Lens de faire ça. Avec Brest, nous avons resté avec la différence. Son seul challenge, c'est ça. Si on peut passer la différence mieux, mais le plus important, c'est vraiment rester concentré sur nous, sur notre force, et notre force, c'est le collectif. Et avec ça, je pense que c'est possible de sortir de Metz avec un résultat positif. Un résultat positif, bien sûr, c'est prendre les points, les trois points. Nous avons gagné le match sur un tal. Nous avons aussi perdu le match comme petit tal. C'est pourquoi je disais que la force de l'Estac a besoin d'être vraiment le collectif. Le collectif, les 11 joueurs qui entrent, travailler les 95 minutes pour l'équipe. Et ça va arriver vraiment à faire la différence, ils nous ont vu sur les derniers matchs. On a besoin de regarder le match avec les deux choses. Premier, avec humilité. On parle de meilleure équipe de classement, première place. Deuxième, meilleure attaque. Deuxième, meilleure défense. On parle, c'est clair, les choses. Après, bien sûr, c'est une équipe. Et c'est les stats, c'est le fact qui a perdu à domicile déjà. C'est possible, oui, bien sûr. Et ça c'est notre rôle, faire le possible. Possible, c'est nous, seulement notre confiance, notre capacité, qui peut faire quelque chose là, sur le match. Et pour ça, on a besoin de croire en nous et d'avoir confiance en qu'est-ce qu'on peut faire sur le match. C'est vraiment important, être plus concentré en nous, être concentré sur qu'est-ce qui va passer sur le match, de l'adversaire. Bien sûr, c'est important de savoir les points forts et les points faibles de l'adversaire, mais plus, qu'est-ce qu'on peut faire sur le match ?